Alors, cette migration des Maghrébins en Californie et aux États-Unis de manière plus générale est une immigration récente. Elle commence véritablement après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il faut savoir que la migration des pays arabes commence à la fin du 19e siècle, dans les années en gros 1880, mais c'est une immigration avant tout du Levant. Donc c'est une immigration libanaise, égyptienne, syrienne. Donc les Levantins émigrent avant les Maghrébins. Les Maghrébins, c'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale, de manière assez confidentielle. Et l'impulsion vraiment majeure, c'est après 1965, avec l'acte sur l'immigration et la nationalité, le Hart-Celler Act, qui va en fait favoriser une émigration des pays non européens. Donc qui va mettre fin aux quotas qui favorisaient les pays européens au profit donc de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Donc c'est à ce moment-là que cette immigration vraiment prend son envol, mais ça reste des chiffres assez confidentiels. Aujourd'hui, par exemple, il y aurait à peu près 90 000 Marocains aux États-Unis, 20 000 Algériens, dont 3 500 en Californie, et 8 000 Tunisiens, dont 1 500 en Californie. Il y a deux phases, notamment pour l'immigration algérienne. Il y a la phase des années 70, où on voit sous l'ère Boumédienne les plus méritants qui ont le baccalauréat et qui peuvent partir pour faire leurs études en Europe, en URSS, aux États-Unis, en Europe de l'Est. Et donc certains choisissent les États-Unis et la Californie en particulier, mais sans stratégie d'installation, avec cette stratégie d'acquisition de savoir, d'une expertise et après d'un retour en Algérie. Il y a après une seconde vague d'immigration dans les années 90 pour les Algériens, qui est celle de la décennie noire. Donc là, c'est aussi une migration d'étudiants, mais également de professionnels, de diplômés, notamment d'ingénieurs, qui vont trouver un travail, un visa, dans la Silicon Valley en particulier. Il y a aussi la migration de la loterie, toutes les personnes qui postulent à la carte verte, donc qui aussi vont émigrer aux États-Unis et en Californie. Je dirais qu'il y a 4-5 cas principaux. Donc il y a cette migration d'élite, la migration pour les études, la migration pour le travail. Il y a les cas de regroupements familiaux. Il y a également les illégaux, les sans-papiers, ceux qui viennent sans visa de travail ni d'études et qui vont rester comme chauffeurs de taxi, pizzaïolo. Il y a aussi les réfugiés politiques et les minorités sexuelles qui vont avoir le statut, postuler pour le statut d'asile pour persécution dans leur pays, et donc notamment à San Francisco, les cas d'homosexuels, de transsexuels. Il n'y a pas une communauté maghrébine de Californie. Il y a une communauté algérienne. Ça, c'est vraiment un des enseignements de ma recherche. Notamment dans la baie de San Francisco, il y a une association algérienne américaine de Californie du Nord,
qui a été fondée en 1992 et qui fédère en fait les Algériens de la baie de San Francisco, mais également les Maghrébins, les Franco-Algériens. Donc il y a vraiment une structure associative qui tisse du lien social et depuis plus de 25 ans. Il y a également une association algérienne à San Diego. Il y a une association marocaine professionnelle au niveau des États-Unis, mais qui est basée en Californie. Dans ma recherche, je fais la distinction entre les Maghrébins du Maghreb, donc les nationaux de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc qui viennent s'installer en Californie, les Maghrébins de France, donc soit les Français qui sont d'origine maghrébine ou les Maghrébins qui vivent en France et qui vont se retrouver en Californie. Il y a historiquement une association algérienne qui est apolitique, areligieuse, mais qui dans les faits fédère surtout des Algériens, des Maghrébins de culture musulmane et une petite communauté de Juifs d'Afrique du Nord qui pour la plupart sont de nationalité, ont la nationalité française, mais qui sont aussi de nationalité canadienne, américaine et qui eux se retrouvent plutôt autour de rites religieux séfarades en Californie et qui ont créé une synagogue. Qui ont levé des fonds dans les années aussi 1991-1992 pour créer une synagogue de rite dite séfarade qui n'existait pas dans la baie de San Francisco à l'époque. Donc c'est intéressant de voir qu'à la même époque, la même génération en fait de personnes qui sont nées en Afrique du Nord, qui sont installées depuis une quinzaine d'années en Californie, qui voient leurs enfants qui sont nés en Californie s'assimiler, grandir américains et qui vont vouloir transmettre de leur culture d'origine à leur descendance, à leurs enfants. Donc d'un côté, les Algériens vont créer une association et de l'autre côté, les Juifs d'Afrique du Nord vont ouvrir une synagogue. La question des langues a vraiment été passionnante parce que là, on voit vraiment la manière dont en fait la langue française, qui représente ou a représenté la langue du colonisateur, une langue d'imposition, en fait se transforme en langue d'émancipation en quelque sorte, et la manière dont les Maghrébins stratégisent leur relation à la langue française, puisque la langue française est une langue qui est parlée dans le monde entier et qui est une langue fortement enseignée aux États-Unis, après l'espagnol, la deuxième, et qui permet en fait à la fois un processus d'ascension sociale, de trouver du travail, notamment pour les femmes. Ce qui m'a frappée, c'est que beaucoup de structures d'enseignement du français en Californie sont enseignées par des femmes d'origine maghrébine, qu'elles soient françaises d'origine algérienne ou algérienne ou marocaine ou tunisienne. Donc la langue française est en fait une langue qui permet une visibilité sociale, une langue qui est stratégisée, une langue qui n'est plus seulement vue comme la langue de l'ancien colonisateur, mais aussi une langue d'émancipation et une langue qui est désirée aussi par le public américain, par l'audience américaine. Donc il y a ce vecteur de capital symbolique que représente la langue française et également la langue arabe. Notamment depuis le 11 septembre 2001, il y a une demande forte d'enseignement de l'arabe en Californie. Par exemple, dans mon université à Stanford, il y a plusieurs enseignants qui enseignent la langue arabe depuis des années, mais depuis quelques années, il y a même un enseignement en arabe dialectal, en darija, qui est offert à Stanford. Donc, la langue arabe est aussi maintenant une langue qui est prisée, qui est valorisée et qui est enseignée. Donc le rapport aux langues dans ce processus à la fois de négociation identitaire montre qu'il y a vraiment une évolution par rapport au passé ou au passif
coloniale qui pouvait représenter voilà, une langue qui a été imposée, qui n'était pas une langue de choix, et en Californie qui le devient, et également qui est la langue véhiculaire entre maghrébins. Ce qui est très intéressant, c'est que la langue qui est parlée avec l'anglais entre maghrébins, c'est le français. Alors la question de la gastronomie avec la langue sont vraiment les deux marqueurs culturels très forts des Maghrébins. Il y a à la fois un investissement dans la restauration de cuisine française. Donc loin de la stigmatisation sur les Maghrébins en France, avec voilà, le passé, le passif colonial, aux États-Unis. Les Maghrébins peuvent pleinement s'approprier la cuisine française et représenter cette cuisine française aux yeux des Américains, aux yeux des Californiens. Donc il y a pléthore de restaurants français qui sont ouverts, qui sont tenus par des Français d'origine maghrébine ou des Maghrébins, que ce soit à San Francisco ou à Los Angeles. Notamment, il y a un réseau de crêperies qui est tenu par des Maghrébins. Donc, le capital symbolique qui est associé à la culture française à travers la gastronomie est pleinement investi par les Maghrébins. Et également, la cuisine maghrébine, et notamment la cuisine marocaine, qui est aussi un vecteur de visibilité sociale et de revendication de toute cette palette gastronomique qui existe en Afrique du Nord. Et notamment à San Francisco, il y a un grand chef, Mourad Lalou, qui a ouvert plusieurs restaurants marocains et qui lui redéfinit une cuisine d'inspiration marocaine, mais également d'ancrage californien. Et qui a écrit notamment un ouvrage qui est à la fois un livre de cuisine et un livre autobiographique qui s'appelle New Moroccan. Et donc voilà, qui dit en fait cette fusion entre un héritage marocain et une cuisine nouvelle californienne. C'est très bien de faire une distinction entre la société californienne et la société américaine. De manière plus générale. Je dirais qu'il y a vraiment, dans les 92 personnes que j'ai interviewées, parce que bon, c'est vraiment une étude qualitative, hein. J'ai interviewé 92 personnes sur une période de 4 années, j'ai fait 120, 120, 125 entretiens au total. Donc sur cet échantillon, on voit vraiment une adhésion à la fois aux valeurs américaines, mais également au mode de vie californien. Au système politique californien, a fortiori depuis l'élection de Donald Trump en 2016. On voit vraiment la Californie comme un vecteur, un foyer de résistance face à l'Amérique de Trump et la manière dont les Maghrébins vraiment s'investissent dans ces valeurs californiennes qui sont des valeurs bon, d'émancipation personnelle, de tolérance. Que ce soit sur le plan religieux, sexuel, de représentation aussi de démocratie directe, recensé très peu de cas vraiment de réticence par rapport au modèle californien et au rêve californien, puisque ce nouveau rêve américain, c'est à la fois le rêve californien et un dédoublement du rêve au sein de la Silicon Valley, parce que mon étude a vraiment porté très spécifiquement sur la Silicon Valley. Et c'est aussi en miroir de la France, parce qu'il y a une relation très complexe vis-à-vis de la France. Mon étude, c'est vraiment une étude triangulaire, de complexité triangulaire entre le Maghreb, la France et la Californie. Et de voir cette relation complexe envers la France, à la fois une relation d'attachement à la France, aux valeurs que porte la République française, mais en même temps de désenchantement, que ce soit pour les musulmans qui ont senti, ressentent des crispations identitaires de la société française vis-à-vis de la religion musulmane, mais également des juifs
d'origine nord-africaine par rapport à la montée de l'antisémitisme en France, et donc qui se retrouvent aussi en Californie et qui peut-être aussi accentuent leur allégeance à la Californie par rapport à, aux crispations, aux désillusions qu'ils ont vécues en France. Néanmoins, dans beaucoup de cas, ils ont aussi acquis leur éducation en France. Donc il y a aussi ce double balancier. Et pour les Maghrébins qui viennent directement du Maghreb, il y a aussi le rapport aux régimes autoritaires au Maghreb, qui fait qu'en Californie, sous un régime politique démocratique, ils vivent aussi pleinement leur culture et dans un sens de polysémie aussi identitaire. En même temps, il y a aussi une montée du sentiment anti-musulman aux États-Unis, qui est avéré notamment alors depuis le 11 septembre 2001, mais surtout depuis l'élection de Barack Obama en 2008, où l'élection de ce président qui a porté, là en fait, presque les 10 ans du discours du Caire, qui a eu lieu le 4 juin 2009 au Caire de Barack Obama, qui fait vraiment de l'islam une religion américaine, aux yeux des Américains, mais aussi aux yeux du monde, on voit qu'aux États-Unis, cette élection a aussi porté un sentiment anti-musulman dans la population américaine, même si les Maghrébins de Californie se sentent, et ils me l'ont dit dans les entretiens, privilégiés et protégés par l'État californien et par l'ambiance générale de tolérance religieuse qui existe en Californie.